vital to the health of our nation. I'm not trying to convince you that you should like what Larry Flynt does. I don't like what Larry Flynt does. But what I do like is that I live in a country where you and I can make that decision for ourselves. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition collector Blu-ray du film Larry Flynt. Alors, c'est un film sorti en 1996, réalisé par Milos Forman, avec dans les rôles principaux Woody Harrelson, Courtney Love, Edward Norton, Richard Dudley et Richard Paul. Alors, c'est édité chez Wildside. Alors, il s'agit d'un media book hein, et comme d'habitude ils ont fait un excellent travail. Wildside apporte toujours un soin particulier à leur édition collector et il en va de même pour cette dernière. J'ai déjà notamment les éditions des deux Sin City et de Old Boy par exemple, qui sont de très bonne qualité. Je voulais également souligner le fait qu'ils ont toujours été réceptifs hein, lorsque je leur ai fait part de la défectuosité des Blu-ray à l'époque. Ils me les avaient échangés sans souci. Voilà, donc ça c'est plutôt appréciable hein, d'avoir un éditeur qui écoute les clients, voilà tout simplement. Alors, parenthèse refermée, voyons ce media book. Alors, donc, on a donc sur ce recto donc, une image assez, on va dire, provocante. Hein, voilà. Avec donc Larry Flynt, voilà, dans une posture christique, j'allais dire. Voilà, posé sur le sexe féminin, on va dire, voilà. Donc on a donc les noms des acteurs ici, donc Courtney Love, Woody Harrelson, Edward Norton, le nom du réalisateur, le film Larry Flynt, voilà sur ce recto. Sur le verso, voilà on a en fait un petit résumé du film et un petit résumé aussi de critique on va dire, avec tous les bonus comportés sur DVD et Blu-ray on va dire, voilà. Alors sur la tranche, donc on a le titre du film, donc Larry Flynt, avec une petite image ici, et le logo, donc Wildside, Blu-ray et DVD. Alors à l'intérieur, on a donc voilà, le DVD qui est ici, avec une belle page de présentation. Et donc on a le Blu-ray qui est juste ici. Voilà, je me suis régalé à revoir le film. Donc, ce media book, donc le livret comporte 50 pages. Alors, c'est abondamment illustré de photos personnelles de Larry Flynt. Hein. Voilà. De photos de tournage également. Donc, très sympa. Et je crois qu'il y a aussi plusieurs interviews de scénaristes. Voilà, là, on voit Milos Forman avec Woody Harrelson hein, sur le tournage. Ici, il y a des images de Milos Forman aussi. Voilà. Là, Larry Flynt. Sex, Love, Premier Amendement. Voilà, il y a quand même des photos assez provocantes pour l'époque. Donc encore des images de tournage, ici avec Milos Forman, Courtney Love, qui est ici, et donc Woody Harrelson. Donc vraiment de très bonne qualité hein, ce livret. De belles photos, franchement. Ici on a du script aussi également. Voilà, donc là c'est un morceau de l'interview hein, des scénaristes. Voilà. Très beau, franchement, très joli media book. Hein. Alors, je crois que la différence entre le Digibook et le media book, c'est que le Digibook, c'est un format DVD. Et media book, c'est plus un format... Non, c'est l'inverse. Digibook, c'est un format Blu-ray. Et media book, un format DVD. D'où la... Voilà. On va dire la dimension de l'édition. Donc franchement de très bonne qualité, comme vous pouvez le constater, voilà. Donc là il y a carrément une interview
Ouais, c'est encore les interviews des scénaristes, le casting. Voilà. Le tournage. Donc je vais arriver juste à la fin. Voilà, pour que ce ne soit pas trop long. Voilà. Une bien belle édition. J'ai revu le film. Et côté image, bah écoutez, c'est très très bon. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié, semble-t-il, d'une restauration 2K. Donc la définition est solide, la photo du film est lumineuse et le piqué est très satisfaisant. Le tout est proposé dans un master stable avec de belles couleurs vives et surtout un grain argentique parfaitement préservé. Bref, un Blu-ray tout à fait convenable. Alors, au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve un dissident américain entretien avec Milos Forman, liberté d'expression ou pornographie making of, à la lumière de l'évidence entretien avec le directeur de la photographie Philippe Rousselot, Larry Flint en question, portrait de l'éditeur raconté par Dennis Hopper, commentaires audio des scénaristes et acteurs, et enfin des scènes coupées et autres surprises. Alors, de quoi parle le film ? De son enfance misérable dans le Kentucky, Larry a gagné l'art de la débrouille, le goût d'entreprendre et l'irrépressible désir d'améliorer sa condition. Propriétaire d'un bar à stripteaseuse, il flaire le bon coup et lance en 1974 Hustler, une publication licencieuse qui fait bientôt de l'ombre à Playboy en ne reculant devant aucun scandale. Et l'obscénité. Mais un succès aussi sulfureux ne pouvait qu'attirer les foudres des dévots. L'Amérique puritaine fera tout pour mettre Larry au pilori. Alors j'ai découvert le film au cinéma et j'avais été plus qu'emballé par ce biopic. Je ne connaissais rien de Larry Flint, hein. C'est un personnage iconoclaste et complexe. Et pour une fois, je ne ferai pas de critique personnelle. Je vais vous lire simplement les quelques lignes indiquées sur ce verso et qui résument assez bien ce que je pense du film. Je ne pourrais pas dire mieux en fait. Alors donc, Larry Flint, c'est un biopic épicé et révolutionnaire qui flirte autant avec la comédie qu'avec la politique, avec la tragédie. Une bataille judiciaire acharnée dont le retentissement politique fait encore écho aujourd'hui. Une histoire d'amour mouvementée qui donne le vertige. Celle d'un flibustier trublion, le plus ardent défenseur de la liberté d'expression, et d'Althea, égérie de la femme de sa vie. Le tout incarné avec panache par Woody Harrelson, la renversante Courtney Love et un débutant remarquable, Edward Norton. Voilà. Donc, franchement, c'est un très très bon film. Toute sa vie, voilà ce qui est indiqué, hein, Larry Flint n'aura eu de cesse de lutter contre l'obscurantisme. Le film qui a saisi l'homme dans toute sa complexité et à l'image de cet anticonformiste, intelligent, passionnant et profondément attachant. Voilà, je crois que ça résume très très bien le film, franchement. J'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir, hein, d'ailleurs. Voilà. Bref, c'est un film que je recommande vivement de découvrir, hein, si vous ne l'avez jamais vu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.